Bonjour, travailleuses, travailleurs, on a population là, et tous les soignants qui, depuis des années, qu'a dénoncé dégradation à situation dans la santé. Néanmoins, c'est Sidji Esdras, ancienne militante à combat ouvrier, c'est en organisation communiste révolutionnaire trotskiste qui a milité en Guadeloupe et en Martinique. C'est nous qui avons édité le journal là, ça, peut-être qu'elles ont déjà nous qu'avant nous. Donc, j'ai là nous le mardi 31 mars 2020. Et on a exprimé moins pour mettre en garde tout travailleur, tout salarié, parce que pendant nous confinés, que nous avons respecté les mesures pour pas attraper COVID-19 là, le gouvernement avait les gros patrons yo-yo à l'attaque contre droit à travailler. Le 25 mars 2020, ils ont fait passer une série d'ordonnances qui permettent les patrons de faire travailler 60 heures par semaine, ça veut dire 12 heures par jour, de réduire le temps de repos, ça veut dire tant qu'il y a une de repos entre des sessions de travail. Avant, il était à 11 heures, là, ils ont fait passer à 9 heures. Patron a décidé aussi qu'à faire travailler le dimanche. Il a décidé aussi qu'il a imposé à quel moment ou qu'à prendre congé ou non. Et tout ça sans concerter les travailleurs, sans concerter les salariés. Donc, ça nous a dit, c'est que le gouvernement-là qui a profité des confinements-là pour faire toutes mesures qui n'ont pas été faites passer avant, passer à présent. Ils savent que nous pouvons descendre dans la rue pour le moment, nous pouvons organiser nos politiques qu'on nous a fait hors confinement. Et là, ils veulent ponctionner. Travailler, ponctionner population là. Alors qu'on y a des gros fortunes qu'a amassées en société là. Les actionnaires du CAC 40, les gros patronats ici dans les béquets, ailleurs des pointes. C'est pourquoi ça y a multimillionnaires, y a milliardaires. Pourquoi pas prendre si fortune à ces mounas ça pour payer ça? Augmenter les salaires pour payer ça, assurer salaire à tout le monde en intégralité pour payer ça, refaire tout réseau de l'eau là pour tout le monde payer ça en eau potable. Pour payer ça, aider les petits artisans, les petits commerçants qui souffrent vraiment avec la crise à COVID-19 là, ça. Mais non, Macron, compris des décesseurs avant Hollande et Sarkozy, ils ne peuvent jamais nier les gros parce qu'ils sont du côté des gros. Par contre, nous les petits, ils veulent piger nous. Donc nous, ça nous a dit, c'est qu'il ne faut pas confinement là empêcher nous réfléchir. Il faut nous commencer à organiser nous, à nous préparer nous. Pour organiser nous depuis à présent, pour depuis confinement la fin, pour nous ça mettre revendications vitales en nous en avant. Pour nous ça prendre les choses en main, parce qu'en face, il y a déjà Paris, il y a déjà ordonnance à eux. Donc là, c'est à nous de préparer nous aussi pour nous ça goumer. Force.